Attends, c'est quoi ça? On a trouvé un iPhone. Oui. Regardez, c'est quoi ça? Voilà. Attends, comment ça? Vous arrivez? Mais qui êtes-vous? Salut! Si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Lily Rose, Lily Rose, Lily Rose, réveille-toi. Lily Rose, réveille-toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas du tout là. Quoi? Il y a un truc qui va pas du tout. Tu vois, tu te souviens le téléphone qu'on a trouvé là? Ah oui? Et l'enquête qu'on avait fait? Oui. D'ailleurs, voilà les amis, on vous a mis au début de la vidéo un récapitulatif. Oui, pour que c'est vous... la partie 2 là. Voilà, c'est la partie 2 pour que vous compreniez ce qui s'est passé. Attends, il m'appelle. Numéro masqué. Vraiment? Ouais, il m'appelle vraiment, regarde. Attendez, attendez. Allô? C'est quoi ça? Qui vous êtes? Attends, attends. Oh punaise! Je vais me filmer. Je t'apprête pas, je vous attends. Donne rendez-vous à l'église à 17h. Et soyez présents, sinon... C'est quoi ça? Non, punaise! Attends, ça a coupé! Sinon, on sait pas pourquoi. Ça a coupé à sinon. Mais il faut absolument y aller. Alors, là, en fait, justement, j'allais te prévenir d'un truc. C'est que le téléphone, pendant la nuit, il a pas arrêté de sonner, tout ça. Donc là, j'allais te prévenir pendant que tu faisais la sieste. Comment on va faire? Mais... Attends. Oh punaise, il est tombé. Faut pas le casser. Le pauvre, c'est notre seul moyen de nous échapper. C'est bon, il est pas cassé. Voilà. On va y aller ou pas du coup? Ouais, attends, donc c'est rendez-vous à l'église. Mais c'est l'église qui doit être à côté de chez nous. Ouais, parce qu'il veut pas. Mais c'est bizarre, il a un truc bizarre avec les églises. La dernière fois aussi, il nous avait donné rendez-vous. C'est trop bizarre, j'ai peur quand même. Ouais, allez. Parce que Peppa Pink, il est même pas là. Ouais, Peppa Pink est pas là pour aller. On va aller se préparer et on y va. Parce que, comme il a dit, rendez-vous à l'église. Et si on vient pas, bah on sait pas ce qui va se passer. Donc à 17h, d'ailleurs, il est quelle heure? Bah il est 16h55. On a 5 minutes, attends, je prends le téléphone. Je prends ça, comme ça on aura peut-être des indices en fouillant dans les photos. Allez c'est parti, on n'a pas le temps là. Donc là c'est bon, on a préparé les attestations. Là on met nos manteaux. J'ai pris le téléphone. J'ai pris le téléphone avec nous. Et j'espère juste qu'on va croiser Peppa Pink sur la route. Ouais, moi aussi, parce que là il est parti, je sais pas. Ouais, notre père, comme ça il pourra nous aider. Parce que franchement là, y aller tout seul, je suis pas fan. Bon, de toute façon on n'a rien à craindre. Il y aura des gens autour de nous. Et de toute façon Lily Rose, au pire tu t'enfuis. Toi t'as rien à risquer, voilà, toi t'es au calme. Mais bon, ça fait quand même super peur cette histoire. Ouais, j'avoue. Bon, allez, on y va. C'est... Bah, qu'est-ce que tu fais? Vite, rentre. Qu'est-ce que vous rentre, faites rentre, qu'est-ce qui se passe? C'est Lily Rose, qu'est-ce qui se passe là? Bah, attends, je vais t'expliquer. Lily Rose, vous partez où? Lily Rose, toi. En gros, on a trouvé un téléphone dans la rue quand on était chez Mama Pink. Ah bon? Et ce téléphone nous donne des ordres, il nous donne des trucs pour aller à des endroits. Oui, voilà. Et là, on doit aller à l'église pour 17h. C'est quoi cette histoire? Non, non, mais en fait, c'est un téléphone possédé, un téléphone. Non, 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 tu dois pas le prendre, c'est nous. Suis-nous de loin, ok? Ouais, parce que il faut pas que tu nous suives, parce que c'est à nous qu'on a donné cette... On vous a appelé? C'est à nous qu'on doit... Oui, on nous a appelé. On doit aller, on doit résoudre cette mission. Et par contre, si tu nous suis, la mission est annulée. Il peut nous arriver quelque chose. Donc, du coup... Oh non, je vais vous suivre de loin quand même. Ouais, de très loin. Okay. Parce que s'il te voit, il peut être très en colère. Ou elle, on sait même pas qui c'est derrière ce téléphone. Bon, allez, on y va. On a vu une voix d'homme. Allez, vite, vite, on y va. Allez, viens, papa. Et c'est à 17h. C'est à 17h. Allez, vite. Donc là, les amis, c'est parti. Attendez, je vais un peu enlever mon masque, comme ça vous allez m'entendre. Donc on est dans la rue. Le problème, c'est que là, il est 17h pile. Donc on a un peu de retard. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, il est 17h. Donc on sait pas s'il est déjà là-bas, le monstre ou le truc comme ça. D'ailleurs, tu penses que c'est quoi? Moi, je pense que c'est... C'est trop bizarre. Je pense que c'est un espèce de monstre bizarre. Ouais, non, mais moi je pense que c'est quelqu'un qui a voulu piéger des gens. Ça tombe, c'est quelqu'un qui nous connaît. On a trouvé là comme ça. Ouais, on a trouvé le téléphone dans le parc. Bon, c'est trop bizarre. Dans un parc, c'est trop bizarre. Bon, allez, c'est parti. Je les suis quand même, c'est trop bizarre cette histoire. Je vais essayer d'être le plus discret possible. Donc là, c'est parti. On est vraiment devant l'église. Donc ça va, il y a quelques personnes autour, tout ça. On n'est pas tout seul. Par contre, on a un peu de retard. Donc on espère que le truc va pas. Enfin, la malédiction va pas s'abattre sur nous. C'est bizarre parce que bah on est devant et il est 17h presque. Ouais, il est... Enfin, non, il est plus que 17h. Il est 17h. 17h06. Ouais. Donc on a à fond du retard. On espère qu'il va rien nous arriver. Et donc il n'y a rien pour l'instant. Rien sur les côtés, rien là-bas, donc c'est vraiment étrange. Bon bah allez, c'est parti. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que bon là, on a attendu encore un petit peu. Ouais, c'est vrai, mais là, c'est vraiment bizarre parce qu'il est toujours pas là. Ouais, il est toujours pas là. Il y a toujours rien, aucune nouvelle. Du coup, on va essayer de rentrer un petit peu, en espérant qu'il se passe quelque chose. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vite, Lily Rose, vite, Lily Rose, bouge. Il nous poursuit. C'est quoi ce truc? Il a un, c'est quelqu'un. Vite, 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 cours, 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 cours. Vite, avance, Lily Rose, avance. Okay, allez, vite. On va aller tout derrière l'église. Voilà, c'est vraiment Alors là, bizarre. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il a un... Il avait du retard en plus. Non, mais c'est pas qu'il avait du retard, c'est qu'il nous attendait dans l'église. Ouais, c'était vraiment bizarre. Il attendait qu'on rentre pour nous piéger, je pense.
C'est pas un truc comme ça. Bon là le problème c'est que je pense qu'il va nous poursuivre. Maintenant il sait où on est. Et en plus j'ai le téléphone dans la poche. Bon allez vite, vite, va par là, va par là. On va se cacher dans les broussailles. Bon voilà. On s'est caché un peu dans les arbres. Attends voilà, chut, fais pas de bruit. Toi ta voix on l'entend à 10 000 km, elle est tellement aiguë. Attends chut, attendez. Cache-toi. Cache-toi. Attends, il a une bosse. Il est aveugle ou quoi? Non mais il a une bosse. Il a une bosse? Non mais regardez sur, dans son dos, il a une bosse. C'est quoi ce truc? On entend des gens sur le côté. C'est trop bizarre. Punaise, j'ai trop peur là. C'est trop bizarre ce secteur. Il a l'air d'être aveugle un peu parce qu'il nous voit pas. Ouais, il nous voit pas. Bon allez, attends, on va se cacher un peu. Ouais. Je vais chercher des indices. Je vais chercher des indices sur le téléphone, on va le déverrouiller. Ça tombe, il y a des photos en plus ou des messages. C'est trop bizarre, j'ai trop peur. On verra ça. Allez, c'est parti, vite, avance. Avance. On va pas aller vers lui. Et surtout, j'espère que Peppa Pink nous regarde et qu'il est. Oula, il y a du vent d'un coup. Vite, vite, baisse-toi. J'espère que Peppa Pink est pas trop loin et qu'il nous regarde. Allez, c'est parti, on y va. Ouais, c'est parti. Bon, allez, vite, Lily Rose, avance. Donc là, on a trouvé. Oh mince, c'est un cul-de-sac. Vite, avance. Oh non, mince. Avance. C'est... Okay, non, mais viens, viens, viens. Viens par là. Viens par là. Là, on sera un peu caché. Et là, je vais chercher sur le téléphone. Nous trouver ici. Non, mais va là-bas. Okay. Oh punaise, c'est... Je pense que ça va être à cause de Lyros si on se fait griller. Lyros, elle est tellement pas maligne là. Bon allez, je vais regarder dans le téléphone s'il y a des indices. Mais donc le code. Ah ouais, le code c'était 0000. Ouais, c'est vrai. Bon allez, on va regarder s'il y a quelque chose. Tu penses? Mais j'ai peur. Moi, je pense qu'il y a des trucs bizarres, genre un nouveau rendez-vous peut-être parce que un nouveau rendez-vous, j'espère qu'il y a pas des images bizarres. Bon bah voilà, là il y a un problème, il a changé le code du téléphone. C'est mais heureusement il est connecté au téléphone. Ouais, il est connecté au téléphone, il peut rajouter des photos, il peut nous appeler tout ça, peu importe où on est, il peut nous localiser. Donc c'est vraiment bizarre ça. Mais ça bon, j'ai quand même réussi à retrouver le code parce que là c'était pas 0000, c'était 0001. Et surtout, regardez la cape. Comme la cape qu'il a. C'est comme sa cape. Ouais, c'est comme sa cape. Ça veut dire que peut-être qu'en dessous de la cape, il y a ça. Le masque. Mais peut-être, c'est pour ça qu'il se montrait pas. Et attention, là, il y a encore pire. Le truc que j'ai trouvé, c'est une carte. Regardez. Une carte avec un point de rendez-vous à 18h. 18h. Ça veut dire qu'on doit aller au point de rendez-vous. Bah, ah ouais, Lily Rose, elle commence à tomber malade. Je sais pas ce qu'elle fait. Mais bon, là, on doit aller au point de rendez-vous qui est environ à 1 km à 18h. Donc plus, c'est. On va aller à pied là. Ouais, c'est dans 30 minutes. On espère que Peppa Pink veille sur nous, qui nous surveille. Regardez, on voit encore l'église, on voit le toit de l'église là-bas. Donc on n'est pas trop loin de l'église. J'ai un peu peur quand même. Attendez. Mais ça va aller. Qu'est-ce que je vois là-bas? Attendez. Attendez, attends. C'est lui là. Regardez. Oh non. Attends, il a su nous localiser avec le téléphone. Il est en train de partir. Il est en train de partir, ça veut dire qu'il nous entendait. Vas-y, vite, cache-toi. Oh, regardez là-bas, il y a un chat là. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, viens, viens. On doit y aller. On doit aller au point de rendez-vous. Allez, on court. On espère que notre père. Hein, go. Allez, vite, cours. Donc là, c'est bon, regardez qui on a croisé. Peppa Pink est là. Il nous a dit qu'il a vu le bonhomme, mais qui a l'air pas dangereux. Non, non, il n'était pas dangereux. Je vous ai suivi un peu de loin, je l'ai aperçu. Ouais, mais le problème, c'est que bon, là, on va devoir rentrer chez nous parce que là, bon, on est au rendez-vous à 18h. Regardez. Et bah, il n'y a rien. Le gars n'est pas là. Donc on va rentrer chez nous. Mais le problème, attends. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il connaît notre adresse maintenant. Ah bah oui, maintenant, oui. Bah donc je sais pas comment on va faire. Comment on fait? Il connaît notre adresse. Je sais pas, moi. Ça veut dire qu'à mon avis, le gars. Non, mais attends. À mon avis, le gars attend de voir si c'est bien nous qui avions le téléphone. Comme ça, il est sûr que c'est nous qui avions le téléphone. Là, il en est sûr. Du coup, il s'est enfui. Peut-être. Et il attend qu'on rentre chez nous, qu'on s'endorme. Ah oui, c'est pour ça qu'il peut-être. M'a. Attends, c'est pour ça qu'il m'a appelé cette nuit. Attendez, parlez pas. C'est pour ça qu'il m'a appelé cette nuit. C'est pour voir si je dormais. Et si je dors pas, il serait venu carrément chez nous. Et là, il voulait vérifier qu'on ait bien le téléphone chez nous. Pour être sûr que ça soit chez nous. C'est pour ça. Ok. Il fait une localisation. Oui, c'est sûr, il nous a localisé. Il sait où on habite maintenant. Bon, allez, on va rentrer chez nous. On va tout fermer à double tour. Et on espère qu'il va pas venir cette nuit. Allez, en plus, regardez. La nuit est en train de tomber. Donc là, c'est n'importe quoi. Bon, allez. Il est pas venu au rendez-vous, allez. C'est pas grave, allez. Bon, allez, donc là, attends. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe, la lumière est ouverte. La lumière, elle est ouverte, c'est attends. Et la porte est ouverte. La porte est ouverte. Attends, stop, rentre pas. Tais-toi, fais pas de bruit. T'es folle ou pas? Attends, ça veut dire que on était parti, y a personne chez nous, et pourtant la lumière est allumée. Vas-y, j'avais fermé à clé. C'est trop bizarre, vas-y, ferme-la. Fais pas de bruit. Ferme la porte. Ok, vas-y. Ça tombe, il est dans ta chambre, Lyros. Sous ton lit. Attends, on va voir. Sous ton nouveau lit. Bon, allez, on y va. Alors, on va pas dans ma chambre. On va avancer tout doucement. Alors, toi, Peppa Pink, tu vas voir.
au rez-de-chaussée, dans la cuisine, dans la salle à manger, tout ça. Ouais. Et nous, on va voir à l'étage et moi, je vais voir au grenier. Vas-y. Toi, tu vas voir dans ta chambre et moi, okay, au grenier. Ok, j'y vais. Si allez, vite. Va voir dans la cave. Allez, aussi, dépêche-toi, non dépêche-toi. Allez, okay. Vas-y. Va à la cave. La cave, c'est une bonne cachette aussi. Bon, allez, vas-y. Merci on va vous. Voir ta chambre. Alors, attends, là, on peut voir. Ouais, parce que, en fait, là, on voit s'il y a des gens en dessous du lit de Lily Rose. Bon, là, attends. Bon, là, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Bon, allez. Il n'y a rien. Bon, ça va. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans ma chambre. Enfin, il n'est pas dans ta chambre, mais il peut être à tellement d'endroits dans la maison. Non, donc, il n'est pas là. Ça serait pas étonnant. Enfin, d'ailleurs. Derrière la porte. Non, mais... Ah, ouais, vas-y. Non, mais c'est sûr qu'il est rentré, de toute façon. On a bien vu ce qui s'est passé dans la maison avec la lumière. Attends. Le téléphone vibre. Attendez. C'est quoi ça? Numéro masqué. Là, je vous mens pas. Attends, chut. Allô? C'est qui? On sait où vous êtes dans la maison. Quoi? J'ai vu Papa Pink qui vous suivait de loin. J'ai vu Papa Pink. Vous avez transgressé les règles. Vous avez transgressé les règles. Non, comment ça? Ça veut dire que... Je n'aime pas ça. Oh, il a vu que Peppa Pink nous suivait. Oh, il est dans la maison. Je vais vous avoir. Non, mais comment on va faire? Attends, il faut appeler Peppa Pink. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-nous tranquille. Si vous voulez, on vous rend le téléphone. On vous rend le téléphone et on arrête les problèmes, d'accord? Ok, je raccroche. Oh, c'est trop bizarre. Bon, allez, Peppa Pink. Peppa Pink. On a des nouvelles, reviens. Oui. On a des nouvelles. Peppa Pink. Oui, j'avais. Ah, c'est bon. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il avait disparu lui aussi. C'est bon. On a des nouvelles. Y a rien à la cave? Non, j'ai rien vu à la cave. Alors là, on vient de recevoir un appel du numéro masqué là. Comment ça? Du gars à la cape. Il a dit qu'on a transgressé les règles et que du coup on a perdu le jeu. Et c'est parce qu'on a en fait c'est parce qu'on n'a pas respecté les règles que du coup il est venu chez nous en gros. Ah bon? Bah oui. Il m'a vu alors? Bah oui, il t'a vu. Pourtant j'étais prudent. Ouais, mais non, mais il voit tout. Tu sais, il nous a localisé, il voit tout. Il voit. Je suis sûr que. Il a vu avec la caméra du téléphone. Mais comment ça se fait que la porte était ouverte aussi? Mais il est rentré. Mais, il a dû vite sortir. Mais non, il a dit qu'il était dans la maison. Apparemment, il voit que de loin parce qu'il nous a pas vu quand non, on était devant lui. Non, mais il peut voir grâce à la caméra sur un téléphone, il y a un micro, il y a une... Ah, mais oui. Bon, bah voilà, la solution à mon avis, c'est qu'il peut nous regarder en direct avec la caméra du téléphone. Et avec, avec le point là, le point du téléphone, la caméra. On va mettre un scotch mets-le ailleurs. Mets-le ailleurs. Je m'en fiche de recevoir ces appels. Même jette-le à la poubelle. Il faut qu'on le trouve et qu'on le bouge de notre maison. Mais c'est n'importe quoi. Pourquoi on l'a pris ce téléphone? Pourquoi tu l'as pris quand on l'a vu au parc? Mais moi je voulais un nouveau téléphone et j'ai vu ça dans le parc et je me suis dit ah, trop bien un nouveau téléphone. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, le téléphone à la base on l'a trouvé dans un parc. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode et Lyreuse était en train de jouer, on l'a trouvé et depuis on a des embrouille comme ça. Bon bah voilà les amis, là j'ai coupé, on se retrouve au grenier donc je suis parti sans Lily Rose. J'espère juste que personne est venu dans mon bureau. Bon allez, je vais vous montrer un peu ce qui... C'est quoi ça? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Eh oh! Je t'attendais! Qui est là? Esteban! Qu'est-ce que vous faites chez nous? Lily Rose, vite! Qu'est-ce qu'il y a? Attends, monte pas! Ok, d'accord! Appelle Peppa Pink! Appelle Peppa Pink! Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Tu le sauras bientôt. Oh, ok, d'accord. C'est trop bizarre. Bon allez, donc là les amis, il est chez nous. Il a pas l'air méchant. Il a... Non, je reste pas. Il a pas l'air méchant, mais il a l'air super bizarre. Allez, ciao. Reste ici, je te dis. Bon bah Lily Rose, il est pas là, Peppa Pink ou pas? Non, je sais pas, j'ai appelé. Ça y est, elle joue à la Switch. Oh là là, il est dans le grenier. Bon, il est pas méchant, mais il dit... Ah, c'est là. Lily Rose. Oui. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Oui, il est dans le grenier. Sérieux? Attends, je prends les abonnés. Il est dans le grenier. Bon, il est pas méchant, tout ça, mais il faut aller le chercher, là. Attends, on y va tous ensemble. Mais moi, j'ai peur quand même. Non, mais si t'as peur, viens pas, mais bon, voilà. Allez, c'est parti, on y va. Allez, go. Vas-y, allez, c'est parti. Allez. Il est là. Oui. Viens vite Peppa Pink, dépêche-toi. Allez. C'est quoi Allez vite, il doit être là. Allez, vite. Attends. Dépêche. Non. Attends, c'est sa cape là. Mais quoi? C'est sa cape. Il a disparu, c'est pas possible. T'es sûr que tu l'as vu? Mais oui, je l'ai vu. Sa cape? Je l'ai vu à l'instant, il était sur la chaise noire, il était sur mon bureau. Punaise, c'est quoi ce truc? Je sais pas où il est parti. On a vu personne sortir. C'est pas possible, il a dû s'échapper, il a dû s'envoler, s'évaporer. Ah, c'est sûr ça sent la fumée. C'est sûr qu'il reviendra. Ça pue. Il nous laissera pas tranquille, c'est sûr qu'il reviendra. Ouais, bon, allez. En tout cas, j'espère qu'il va pas revenir cette nuit. Le téléphone, tu l'as mis où? Eh oh.
Le téléphone. Bah le téléphone rouge. Eh ben il est en bas. Non mais tu l'as mis où en bas? Bah tu m'as dit de le jeter. Et du coup tu l'as jeté? Bah oui. On n'aura plus d'indices. Non. Bah je vais le chercher dans la poubelle. Allez vite, dépêche-toi.